Saba. This is a Saba. Shavuot and it's a Hanukkah. And it's a Hanukkah. And it's a Hanukkah. This is a Sinyama. This is a Saba. This is a Saba. Shavuot and it's a Hanukkah. And it's a Hanukkah. And it's This is a Sinyama. This is a Sabbath. Allah will love us. And it's a Lord. And it's a Je suis le plus heureux de revoir trois ans, plus de trois ans même après, un acteur politique détail que moi j'apprécie énormément et que le public congolais adule, effectivement, parce qu'il a des arguments, il tient des propos qui touchent à la fois le peuple, qui touchent les sensibilités. Lui, c'est Barnabé Milinganyo, un acteur très prisé, très connu, pratiquement une célébrité en République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur l'actualité politique nationale, mais également l'actualité politique au niveau continental qui reste dominée bien évidemment par le Sénégal. Mais comme il a beaucoup de matières, il lit beaucoup, c'est un fervent de la lecture, nous allons prendre également ce qui se passe au niveau de l'Occident, parce que selon plusieurs informations, l'Europe serait, l'Europe ne serait plus à mesure de donner encore beaucoup plus d'armes à l'Ukraine pour ses combats dans cette guerre avec la Russie. Alors nous allons rester focus pour la première partie dans l'actualité nationale, l'actualité qui reste dominée par la nomination du Premier ministre, Madame Judith Toulouka. Pourquoi ne pas parler également des Kabila, où nous avions vu depuis hier une vidéo et qui a surquillé dans la toile faisant état que Kabila serrait des retours. Barnabé Milinganyo, également très proche de la famille et Kabila, va nous dire ce qu'il pense, parce que l'opinion constatera apparemment une sorte d'acharnement, là on doit se le dire, contre la famille Kabila depuis un certain temps. La Dada, qu'on appelait affectueusement comme ça à l'époque, Janet Kabila, était interpellée au niveau des services de l'ancienne DEMIAP. On ne sait pas la suite. C'est quoi? Selon des informations, son passeport serait retenu par les services. Nous allons en parler de tout avec Barnabé Milinganyo, que je m'en vais chaleureusement. Moukoubo, merci. Je pense que vous allez bien. Non, très bien. Merci beaucoup, Gramik. J'ai tenu à répondre à votre invitation par gratitude. Ah, par gratitude. Là, oui. C'est fort. Oui, parce que tu m'as beaucoup soutenu quand j'étais en prison. Trois ans. Oui. Tu parlais de mon cas presque chaque jour, exactement, chaque fois que tu avais une opportunité. Là, j'étais perfect. Et le monde ne nous a pas oublié à cause de ça. Wow. Surtout les organisations de droits de l'homme. Exactement. Continuent à nous suivre à cause de ça. Et pour ça, je réitère la demande pour mon confrère ou collègue de l'université de Makala, qu'on appelle affectueusement UNIMAC. C'est vrai. Mike Mukebaye. Mike Mukebaye, ouais. C'est une université, c'est la meilleure école politique. Presque une année sans procès, sans jugement, rien. Bon, il a actuellement des menaces. Hein, non, il est en formation. Il est en formation. Ah, c'est une formation. Il y a plusieurs facultés. Il y a plusieurs facultés en prison. Donc, lui, il est dans sa faculté. Que Dieu préserve sa vie. Que Dieu préserve la vie de sa famille. Mais surtout, n'oubliez pas de parler des cas Mike Mukebaye, qui est pratiquement le prisonnier emblématique, politique, qui est encore en prison pour des faits non élucidés. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Alors, Barnabé, quand vous parlez de la prison, là vous mettez plus à l'oreille. Il y a assez, je pense, ces processus entamés par le gouvernement des désengorgements. La prison centrale, là, il y a pléthore, il y a beaucoup de prisonniers. Et comment est-ce que vous pensez concernant cette initiative? Est-ce que c'est une belle initiative ou bien soit la procédure pourrait être un peu biaisée, il pourrait y avoir des, je ne sais pas
comment dire, de la manipulation, de la corruption, ainsi de suite. Comment vous appréciez ça, les désengorgements de la prison centrale de Makala? Bon, malheureusement, c'est du cosmétique. Oh, ce qui s'est fait actuellement, c'est du cosmétique. Comment ça? On ne traite pas la question dans le fond. On ne traite pas la question dans le fond. Donc, alors, le fond, c'est quoi? Le fond, serait que dans le programme 145 territoires, ouais, qu'on puisse intégrer la magistrature. Dans le programme, le projet 145 territoires, voilà, qu'on puisse intégrer. Parce qu'il y a plusieurs projets. C'est exactement. Le programme, c'est la somme de projets. Exactement. Alors, 145 territoires prévoyait quoi? Les écoles? Les infrastructures, des gens comme ça. Non. Il faut toujours préciser. Ouais. La résidence de l'administrateur du territoire, le bureau de l'administrateur du territoire, ouais, quelques écoles, le forage. Ouais. Il y en avait à peu près 4-5. Donc, ouais, c'était 5 chantiers d'une manière version villageoise, quoi. Alors, la Bible, ouais, dit, c'est la justice qui élève une nation. Allons-y. Notre pays n'a pas une bonne répartition de la justice. La Constitution dit il n'y a que la justice qui rend égal le pauvre au riche. Exactement. Le faible au fort. Ouais. Alors, Dieu qui a créé les hommes, qui a créé le monde, a dit, si vous voulez élever votre nation, passez par la justice. Ouais, la justice élève une nation. Toutes les nations que nous admirons aujourd'hui, même pendant la période des guerres, y compris en Ukraine, la justice reste toujours indépendante. Allons-y. Mais nous avons un problème. Lequel? Tu peux commettre un forfait, on ne sait pas où te mettre en prison. C'est vrai ça? Non, mais ils sont 15 000 aujourd'hui. Ouais. Même si vous désengorgez en libérant 84 personnes. La prison aurait été créée pour 1500 prisonniers, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons 26 provinces. Construisez 26 nouvelles prisons. Comme nous avons 145 territoires, construisez 145 prisons. Est-ce qu'il y aurait la sécurité comme en prison? Une bonne surveillance des prisonniers, un bon traitement? Non, déjà, si ici, au niveau de la capitale, certains prisonniers... On parlerait même de tous les jours. Je ne sais pas si vous aviez d'autres informations. Il y a des prisonniers qui meurent chaque jour là-bas, au niveau de la prison. Il y a un principe, enfin, il y a un phénomène que j'ai remarqué en prison. Lequel? Que les fétiches ne fonctionnent pas en prison. Oh, les fétiches ne fonctionnent pas en prison. Ouais. Oh, mais nous, d'abord, nous c'est un milieu de non, d'abord, c'est un millier de païens. Un millier de païens, oui. Il y a des gens qui arrivent, ils sont fétichés, mais ils ne peuvent pas s'évader. C'est-à-dire, lorsque... Malgré ces fétiches. Non, c'est un phénomène extraordinaire. Dès que le juge a frappé, ouais, il a prononcé la condamnation, ce que la Bible dit, ce qui est fermé en bas est fermé en haut, ça s'applique. Ça s'applique directement. Ça, c'est une expérience. Même avec les satanistes. Non, les ça fétiches. Dit qu'il y a des éléments d'ordre sécurité que je ne peux pas dire ici. Ouais. Ne fût-ce qu'en termes d'effectifs. 15 000 prisonniers. Combien de gardes? Je ne donne pas les chiffres. Mais pourquoi les 15 000 là ne peuvent pas se prendre en charge et partir? C'est bien ça. C'est dire la bonne question. Tu sens que dès que le juge a prononcé... Vous êtes neutralisé pratiquement. Neutralisé. Et puis il y a une particularité à Makala. Ce sont les prisonniers eux-mêmes qui s'est... C'est surveillé. Qui se surveille. Oh! Ça dit, Namona, je n'ai jamais vu un vraiment si la Songi Songi est à ma casse. Songi Songi. Ça dit, quelqu'un peut seulement te soupçonner. Il part t'accuser. Oh! Alors, pour gagner quoi, en fait? Non, il y a des quoi. Ça dit que c'est la force du juge. Oh! La force de la justice. Dès que tu es condamné, mon cher ami, tu resteras là. Alors, on peut améliorer. Ouais. Sous Mobutu, les prisonniers venaient travailler en ville. Ils étaient des journaliers. Ah, sous Mobutu. Parce que notre cas ici, il n'y a pas de rééducation. Tu n'apprends rien. Donc, les centres qu'on écrit là, centres de rééducation, il n'y a pas de rééducation. Non. Il n'y a rien. Non. Il n'y a pas un programme. Bon, bien sûr, il y a une bibliothèque. Il y a un centre informatique. Mais combien ils vont? Ça dit, si tu ne te disciplines pas. Par exemple, moi, je m'étais vraiment mis à la lecture. D'abord, c'est ma passion. Ouais.
Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup lu le livre de droit. Ah, d'accord. Et surtout les droits pénals. Les droits pénals. Ouais, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai beaucoup lu. Donc, je pense qu'il faut d'abord séparer les prévenus et les condamnés. Les condamnés, exactement. Même sur le plan psychologique. Selon plusieurs informations, il y a plus des détenus, mais les prévenus que les condamnés. Ouais, ça c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas de cachot chez nous. Ouais. La loi dit l'OPJ, quand il t'arrête, il n'a que maximum 48 heures. 48 heures. À la Migo, là, c'est un conteneur, c'est vide. Par conséquent, il te précipite au parquet. Donc, maintenant, les magistrats se retrouvent par jour avec 10 dossiers. Tu as un cas avec, comment on appelle ça, du... De quoi? Il y a un terme là où dit... Ça viendra. Oui, ça viendra. En fait, vous pouvez vous retrouver avec un dossier où il y a 10 cas. 10 personnes qui sont citées. Des complices. Il y a un terme approprié, je m'excuse beaucoup. Alors, si tu as 10 dossiers comme ça par jour, tu vois que le magistrat va souffrir. Exactement. Parce qu'il faut d'abord auditionner, et puis il faut prendre note, et puis il faut... Les enseignants. Donc, c'est beaucoup de choses pour le magistrat. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de magistrats. Alors, par conséquent, il faut quand même améliorer les conditions des magistrats. Les mettre dans de bonnes conditions. Exactement. Il y a des pays où les magistrats n'ont pas de salaire. On leur a remis seulement des cartes de débit. C'est-à-dire qu'ils peuvent décaisser partout, selon ses besoins. Ils sont logés, ils sont nourris, ils sont soignés. Et puis, tu ne peux pas imaginer le travail qu'ont les magistrats. Mais ces gens-là souffrent terriblement dans ces pays. Tu sais pourquoi? On peut tolérer. Les magistrats souffrent. En RDC. Comment ça? Non, ils sont les plus malheureux. Ce sont eux qui font souffrir les pays parce que le président dit que la justice est malade. Non, il y a un système dans la magistrature, ce qu'on appelle la caporalisation. Système de feu rouge. C'est comme, en fait, c'est comme dans l'armée, oui. C'est le chef. Le chef de la juridiction, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui répond, c'est lui qui donne les instructions. Ouais. C'est lui le boss. Alors, les magistrats, il suffit d'une petite erreur. Tu sais, l'erreur du médecin, le médecin peut camoufler son erreur. Ouais. L'enseignant peut camoufler son erreur. Exactement. Mais pas les magistrats. Mais là, apparemment, je ne sais pas, personne ne pourrait croire que Barnabé aujourd'hui puisse être le défenseur de la justice. Moi, j'ai fait la politique pour la justice. Tu ne peux pas imaginer les infractions. Comment est-ce que les magistrats sont punis dans ces pays? Ah, les magistrats sont punis dans ces pays. Oh, très malheureux. Très malheureux. On devrait, par exemple, créer une prison spéciale au ministère de la Justice pour les magistrats. C'est vrai, ça. Mais tu t'imagines, toi, tu es magistrat. Parlons de Ngaliema. Tu es à Ngaliema, tu es à Kasavubu et ailleurs. Allons-y. Mais là, toi, ton travail, c'est d'arrêter. Parce que le magistrat, lui, il arrête. Il te présente devant le juge te condamne. Ouais. Tu te retrouves à Makala avec les gens que toi tu as envoyés en prison. Je donne un cas. Il y a un général, magistrat militaire, qui est à Makala. Ça fait plus d'une année maintenant. Mais à Makala, il y avait presque 550 militaires que lui a envoyés en prison. 550 militaires. Plus de 550. Parce qu'on ne pouvait pas les mettre en dolo. Ouais. Parce que la plupart des détenus en dolo sont ses victimes. Ce prisonnier-là, est-ce qu'il est, il est mentalement stable? Non, jamais. Et puis c'est un général. Donc il suffisait de les garder en résidence. Ouais. Donc si on peut commencer à garder les magistrats en résidence surveillée, ouais, comme les généraux, pourquoi vous allez mélanger les lieutenants avec là, les généraux bon dans un même pavillon? Je crois que ce n'est pas normal. Ouais, c'est un bon plaidoyer. Et puis pour une petite erreur matérielle, facilement un magistrat est condamné à une année, deux ans en prison. J'ai vu même d'autres qui ont fait cinq ans, huit ans. Et leurs collègues sont là. Ils disent, le mot d'ordre, on ne peut rien faire pour toi, tout ça. Ah, donc je crois que la République peut construire des triplés dans chaque territoire pour rapprocher les justiciables du justifié. Et puis, il faut mettre les magistrats dans de bonnes conditions, des logements, des transports, soins médicaux, qui soient quand même honorés. Et puis, qu'on réduise la manière de sanctionner les magistrats. Je plaide vraiment pour l'honneur. Tu ne peux pas imaginer comment un magistrat est humilié
quand il doit traverser la cour, quand il doit aller se laver, comment est-ce qu'il traverse les... Parfois d'autres se cachent, d'autres sont même menacés physiquement par les gens qu'ils ont envoyés en prison. Je crois que, comme il y a conseil supérieur de la magistrature, je n'ai jamais compris en fait. Ouais. L'article 150 de notre constitution, qui dit quoi? Non, l'indépendance de la justice. Ah d'accord. Nous avons 5 institutions, bon. Mais la justice, le judiciaire, peut arrêter l'exécutif, peut arrêter aussi le législatif. Mais pourquoi ils n'ont jamais plaidé pour avoir un bon budget pour tenir compte aussi des jeunes magistrats qui viennent de commencer une carrière? Tu t'imagines une magistrate sur une moto? Magistrate sur une moto. Ça ne fait pas une fierté. Je termine en disant, ouais. Mais à l'intérieur, je connais un cas, par exemple, à Mwenga, le parquet est seulement au chef-lieu. Mais on doit envoyer un OPJ vieux dans les territoires. Qui doit faire 55 km, il doit aller comme ça 80 km pour aller arrêter un prévenu Pomba comme toi. Tu vois que si ce prévenu arrive à la juridiction, c'est qu'il est vraiment de bonne foi, n'est-ce pas? Alors, Barnabé Milinganyo, vous avez parlé là des 5 institutions, je pense que c'est 4. Bon, on ajoute toujours la presse. La presse, ouais. Et nous, nous de l'opposition, nous nous exprimons toujours dans la... Alors, merci beaucoup. C'est sous le bout qu'on disait quatrième pouvoir. Alors, là, notre constitution actuelle... Exactement. À 4 constitutionnels. Et puis, il y a la 5e qui nous concerne, exactement. Nous, les opposants, et la presse. Là, j'ai valide. Alors, Barnabé, l'actualité reste dominée également par la famille Kabila. On doit se dire, avant de prendre la nomination d'un nouveau premier ministre. Comment est-ce que vous interprétez cela, la confiscation du passeport de Jeannette Kabila? À part lui, c'est vrai, il y a également Prince Pengue et Alain Bouloudjo dont les passeports sont confisqués par les services de l'immigration. La raison, c'est quoi? Pourquoi confisquer les passeports des citoyens ordinaires? Ils ont fait quoi? Bon, vous savez... Malheureusement, dans ce régime, il y a des arrogants. Il y a ce qu'on appelle l'excès de zèle. Est-ce que tu sais que... Il y a l'expression « Kubwa Ngunda ». Tu as une idée sur ça? On n'a pas autant d'idées là. Et ça se passe comment? On t'a accueilli... Ça dit tu débarques à l'aéroport, tu déchires tes documents. Non, même pas. Non, c'est comme ça que ça se passe. Oh, c'est vrai, ouais. On déchire les documents migratoires que tu as. Et puis tu te présentes. Sans papier, on ne sait pas de quel pays. Toi, tu viens d'où? Parce que s'il y a Sabena là-bas, tu peux rentrer sur Kinshasa. Donc, je suis Guadeloupéen. Je suis ceci. D'abord, c'est comme ça que ça se passe. Je crois que c'est une violation grave de la loi. Arracher les documents de quelqu'un. Identitaire même. Ouais, non, c'est très grave d'abord. Pour ce qui concerne notre honorable Jeannette, nos amis devraient avoir seulement du respect. Du respect, pourquoi? Oui. La famille Kabila, c'est une famille panafricaniste. Comment ça? Mzee Laurent Désiré Kabila, il est au rang de Mugabe, il est au rang de Mandela. C'est-à-dire des gens qui ont combattu sérieusement les Blancs en Afrique. Comment ça? Aussi longtemps dit que ce serait pratiquement marionnette de l'Occident. Il s'est fait accompagner de Paul Kagame, de Rwandais. Tu sais que Mzee a fait 44 ans de règne seulement. 44 mois de règne. 44 mois. Pas de dons de Banque mondiale. Pas de dons de FMI. La RDC n'a pas fonctionné avec l'argent de Bretton Woods. Lui, Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est un panafricaniste. Et d'autres chefs de l'État, d'autres nations, quand on nous regarde, comment est-ce que nous maltraitons cette famille? Oui, la dictature, on était fatigué de la dictature. Nous sommes venus mettre fin à la dictature. On a mis en place les institutions. Trois fois les élections présidentielles, plus un référendum. Ils ont fait la première alternance. Vous les maltraitez, pourquoi?
parce que c'est cette famille qui bloquerait les pays, Kabuya l'a si bien dit. Depuis FCC Cash, la famille Kabila bloque les pays. Jusqu'à présent, la famille Kabila continue de bloquer les pays. Donc, les saluts du peuple, c'est la loi suprême. On ne peut pas sacrifier plus de 100 millions de Congolais la dernière fois d'une famille. La dernière fois que ces pays étaient au gouvernement dirigé par un proche de Kabila, les taux étaient à 16. Nous avons suivi les discours de 6 minutes. On nous a dit que nous sommes fatigués. Allez, on va se débarrasser. On va. Allez, c'est fini avec les Kabila. On crée l'union sacrée. Je vous demande tous les Congolais de venir. Ouais. Les taux est allé à combien? Nous sommes presque à 28. Ouais. En tout cas, à 27, 500 pour ceux qui sont gentils. Et à 28. C'est simple. Donc, demande à celui qui dit qu'on l'a bloqué. D'abord, je me demande. On m'a dit qu'il a fait, je crois, l'IEC. Ouais, il a fait l'IEC, un licencié. Je crois qu'il doit être collègue Aouera. Oh, comment ça? Kabouille est collègue Aouera. Peut-être. Non. Il a fait des sciences commerciales. Chaque sortie médiatique. Et je pense son directeur des mémoires, c'est les fameux professeurs Godenfoy. Ah, je comprends. Oh, vous comprenez? Je comprends la ramification. Parce que chaque sortie médiatique de deux hauts cadres dont tu viens de citer là, ils ont toujours une justification autre. Taux d'échange, c'est Kabila qui bloque. C'est pourquoi ça monte. Ok. Taux d'échange, il y a la guerre en Ukraine. Taux d'échange, c'est tous les jours qu'il justifie. Et donc, moi, je pense que ces gens-là n'ont pas eu de grade sous le règne de Tshisekedi. Étienne Tshisekedi et Moussa Laurent Désiré Kabila ont mené pratiquement les mêmes combats. Ah, donc vous reconnaissez les combats, vous reconnaissiez vous-même et puis vous reconnaissez les combats d'Étienne Tshisekedi. Moi, j'ai fait 20 mois dans la cellule d'Étienne Tshisekedi. 20 mois. 20 mois. Qui peut prétendre avoir l'incarnation du courage d'Étienne Tshisekedi plus que moi? Moi, j'étais dans sa chambre. Pendant 20 mois, Makala. C'est vrai ça. Oui. Vous étiez dans la chambre d'Étienne Tshisekedi. La chambre qu'a occupé Étienne Tshisekedi au Moulumba, à Makala, moi, Barnabé, je l'ai occupé pendant 20 mois. C'est significatif. Ça dit, Tshisekedi, c'est un panafricaniste. L'homme qui a opté pour la non-violence. Et il a battu un combat non négligeable. Je pense que même si lui-même était vivant, il n'accepterait pas qu'on malmène la famille Kabila. Tu sais que lui, il était le plus grand opposant de Mobutu. Mais chaque fois que Mobutu était malade, il se rendait exactement au chevet de Mobutu. Ouais. Il allait à tous les deuils. Tous les deuils, oui. Maman Marthe, c'est une dame que moi j'ai rencontrée par deux fois. Deux fois, vous avez... Moi, j'ai déjà rencontré Maman Marthe deux fois. À quelle occasion? Bon, quand elle était à Goma avec son mari. Ah, d'accord. Et au deuil, elle y mettait du professeur Étienne Ngangoura. Ah, d'accord. Quand tu es avec elle, tu ne vois pas les reflets de la brutalité? Ah, Maman Marthe. Non. Même quand tu regardes notre président, oui, tu as du mal à croire que c'est sous son régime qu'on peut ravir quelqu'un le passeport. Je termine en te donnant cet exemple pour parachever avec les cas de Epeng et de Bolodjo. Ouais. Aujourd'hui, il y a une tension dans la ville. On soupçonne tout le monde d'aller chez Nanga. Ouais. Gramic. Toi, tu es un bon analyste. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on peut accepter Barnabé, Epeng, Bolodjo, passer à l'aéroport d'Ingil pour aller à Jeval? Est-ce qu'on peut tolérer ça? Je ne sais pas. Que moi, Epeng, Bolodjo, nous prenions nos valises. Les durs. C'est comme ça qu'on vous qualifie. Nous ne sommes que des panafricanistes. Les durs. Nous prenions nos valises et qu'on aille à Genval et on doit rentrer ici. Une réunion de l'opposition pour chasser Félix. On nous accepterait, nous, d'aller se réunir à Genval. Jamais. Et revenir. Jamais. Ça dit tout. Non, je crois que c'est quelques élèves qui ont ce comportement-là. Moi, ils m'ont empêché d'aller enterrer ma grande sœur. Oh, vous étiez également empêché? Si. Le 10 janvier, j'ai perdu ma grande sœur. Non, le 10 janvier, Binumbi, à Lubumbashi. Une famille connue. Pourquoi ils ont dit quoi? D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est la maman de Mama Lydia. Ah, d'accord. La maman de Pasteur Stone. La maman de Frank Nazir Ibanda. C'est ma grande sœur, c'est ma sœur aînée. La raison était de quoi? Non, on m'a rien dit.
Oh, jusqu'à présent? Non, on ne m'a rien dit. Un gars m'a dit seulement, vous ne comprenez rien. Ah. Alors, quand j'ai suivi Eliezer Tambo, j'ai compris. Oh, vous aviez compris quoi? Et j'ai compris parce que celui qui a dit non. Bakole Karanzela Anjil, Bokenenzela Poto, Bokenenzela Mai, lui, il a donné 5. Non, je lui ai dit, Eliezer, tu te trompes. Les itinéraires. Celui qui a la volonté de partir peut réunir le bidon d'eau. Il va traverser ici. On peut relier le bois. Celui qui veut partir va partir. Donc ça ne sert à rien. C'est une stratégie là. Non, ça ne sert à rien de traquer les gens. Alors, vous côtoyez la famille Kabila. C'est comment ça? La famille Kabila n'est pas côtoyable. Oh, c'est vrai ça? Non, déjà exagère. Mais on a vu Jeannette vous consoler lors de la perte son âme du fils, de votre fils. Elle était là. Donc vous avez un peu des relations particulières avec la famille. Je vais te surprendre. Ces jours-là était la deuxième fois que monsieur voit Jeannette. Oh, la deuxième fois? Ouais. La première fois, je l'avais vu au Parlement, le jour où le Premier ministre Kengo, le président du Sénat, rendait public son livre La Passion du Congo. Ouais. Jeannette était là et il est passé devant moi. C'était la première fois que je la vois comme ça physiquement. La deuxième fois, aux obsèques de mon fils. Et la troisième fois, le 16 janvier dernièrement ici, quand nous célébrions l'anniversaire du musée. Moi, j'ai vu Maman Olive seulement pendant la campagne de 2011. À Bukavu, Major Vangu, à Nyangezi, et puis on s'est retrouvé à Ivuga. Je n'ai plus jamais revu Maman Olive, bien que je m'appelle Barnabé comme son père. On vous colle? Je n'ai jamais vu ces rapprochements. J'ai vu Kabila 9 fois seulement sur chantier quand j'étais encore aux grands travaux. Donc parfois les gens exagèrent en disant que vous côtoyez la famille Kabila. Non, je ne peux pas me taper cet honneur là mais étant qu'un ancien rebelle également, là l'opinion laissait. Est-ce que c'est facile pour un ancien rebelle de retourner encore dans une rébellion ou bien de soutenir une rébellion X? Tu peux pas t'imaginer la culpabilité de quelqu'un qui a confessé ses péchés, qui s'est repenti, sanctifié, rempli du Saint-Esprit, commencé à servir l'Éternel et tombé dans le péché. Donc la c'est la même c'est souffrance. Non, je donne, moi je suis pédagogue. La similitude, libéralisme. C'est comme quelqu'un qui a négligé d'étudier et qui, le jour où il doit regarder aux valves, son nom n'est pas là. Tu vois la souffrance quand on a échoué, on voit toute une année de perdu. C'est méchant d'attribuer des innocents qu'ils peuvent revenir. Je vois toujours sur les médias, la victime principale, c'est Sazaras Roubaix. Ouais. Tout le monde dit toujours, il est dans la rébellion. Il est... Non. Roubaix Radaboui, il est chrétien. Pratiquant. Moi, j'ai fait 10 ans à ses côtés. C'est un pasteur, c'est ce qu'on dit. Non? Bon, ça, ce sont des fonctions. Ça, ce sont des titres qu'on attribue aux gens. Mais c'est un chrétien, en vrai, sur ce monde. Pratiquant. Mais pourquoi? C'est-à-dire, le matin, quand il se réveille, il s'agenouille, il prie. Le soir, avant de dormir, il prie. Il arrive au bureau, il prie. Il paie la dîme, il va au culte. Même s'il est ton chef, s'il t'a offensé, il te demande pardon. C'est vrai, ça? Non, Roubaix repart. En tout cas, s'il t'a offensé, et si tu lui dis que le président, tu m'as fait... Il confesse. Mais il arrive à Kinshasa par l'AFDEL. Prenons le cas de l'AFDEL. Oui. Tu sais que c'est lui qui a négocié la convention, notre convention des droits de l'homme à Genève. Roubaix-Roi, il était directeur des cabinets aux affaires étrangères. C'est lui qui a signé, si tu vas en Genève, les documents signés par la République démocratique du Congo. Convention des droits de l'homme à Genève, c'est signé par lui. C'est un militant des droits de l'homme. Et comment expliquer cela? Deuxièmement, il arrive ici comme vice-président, défense politique et sécurité. C'est sa commission qui a piloté les grandes réformes. Les FRDC que vous voyez ici, les documents, c'est dans sa commission. La police, c'est dans sa commission. La constitution, c'est dans sa commission. Allons-y. Dans la même commission là, il y avait Maman Zunzi Mbombo. Hein? Ouais. Il y avait Kamere. Il y avait Mova. Tu vois un peu?
Mais comment chaque fois on l'attribue toujours de la vente du pays, de la balkanisation du pays? Ça fait 21 ans. Même pas un centimètre est parti à cause de lui. Pire encore, moi j'ai vécu un événement avec lui. Allons-y. Le massacre de Gatoum. Ça te dit quelque chose? Tu as déjà entendu parler de ça? Ouais. Le 13 août 2004. Moi j'étais président fédéral du RCD à l'époque. Il est parti, lui comme vice-président, rassurer ses frères réfugiés, Banyemulengi qui était à Ouvira, que vous allez retourner chez vous à Minembe. On les loge la nuit à Gatoumba. Et ils sont fusillés et brûlés. Et lui a tout suivi au téléphone. Mais il est revenu. Ouais. Ces jours-là, il a perdu combien? Je crois 163 personnes. Membres, cousins, frères, tantes, directs. C'était le jour où il devrait signer la balkanisation. Donc il y a des gens qui aiment ce pays. Mais les gens considèrent que ceux qui sont ici... Exactement. C'est par faiblesse. Non, c'est pas même faiblesse. Comme vous soulevez les cas d'Azarias Robéroy, il y a un célèbre journaliste, un transfuge des Télé 50, Fabien Lumbala, qui a, je ne sais pas si la plainte est déjà déposée, qui a clamé au effort que Azarias est un Rwandais. Il détenait des preuves, selon lui. Vous qui avez côtoyé cet ancien vice-président, cette ex-autorité de la République, comment est-ce que vous réagissez? Est-il vraiment un Rwandais ou bien... Je ne sais pas. Robéroy a 60 ans. Aujourd'hui, cette année. Ouais. Il a 60 ans. Fabien a quel âge? Où est-ce que Fabien a vu les identités de Robéroy? Mais c'est un journaliste, non? Il a ses canaux, il a ses sources, il peut... Et surtout qu'il a travaillé à Télé 50. Moi, j'étais... parmi ceux qui ont élaboré la liste des journalistes qui devraient être avec nous à la commission politique défense et sécurité. Ouais. Moi, Barnabé. Lui, il était venu pour le compte des ragas. Ouais, il était encore gamin. À l'époque, Mouya était encore en Gen 1 CBS. Parfois, il faut avoir du respect aux gens. Le parcours. Ce que Robéroy a fait pour que la République démocratique du Congo reste République démocratique du Congo, Fabien n'a pas encore fait ça. Il faut du respect. Il est Rwandais ou non? C'est ça la grande question. Tous les 9 pays limitrophes de la République démocratique du Congo acceptent la double nationalité. Sauf la République démocratique du Congo. Et, vous enseignez au point de... Et le fait qu'il a été candidat président de la République. Exactement. Sixième aux élections de 2006. Il a bâti Nzunzwa Mbombo, Pai Pai, Olengankoy, tous ces gens. C'est la Cour constitutionnelle qui atteste que quelqu'un est congolais ou pas. Ah d'accord, là c'est clair. Donc, lorsqu'il a été ministre sous le régime de Fatshi, où on insiste sur les... des pères et des mères. Tu sais que Robéroy était ministre de la décentralisation sous Tshisekedi. Dans les Pépé Ilunga. Tu sais ça? Ouais. Que Robéroy était ministre de la décentralisation. Ouais. Mais comment est-ce que la Cour peut accepter les dépôts des dossiers des ministres, hein? On appelle des dossiers de justification des biens, des patrimoines. Comment on peut accepter la déclaration de patrimoine? Comment cette justice de Kamuleta? Tu sais que je peux te faire une révélation. Allons-y. Regarde-moi dans les yeux. Mais il a étudié avec Hamlet. Qui? Robéroy. Robéroy a étudié avec Hamlet. À Lubumbashi. C'est son collègue. C'est son collègue. Demandez alors à Hamlet s'il est rwandais ou non. Pourquoi lui qui a le pouvoir constitutionnel, il n'a jamais viré? Donc Fabien doit rentrer. S'il veut intégrer la politique, votre travail ici, c'est facile de poser la question aux gens. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais quand vous changez de... Les rôles. Alors, quand vous parlez également, vous aviez épinglé Mouyaya, c'est vrai qu'il a répondu hier au cardinal Ambongo. Mais quand les cardinals affirment ouvertement que la RDC n'a pas une armée, vous qui aviez essayé un peu de côtoyer un peu l'armée avec la rébellion, ainsi de suite, est-ce que la RDC, c'est vrai que Macron l'a aussi dit ici que non, la RDC a été incapable de former une armée dissuasive. Est-ce que c'est vrai les propos tenus par les cardinals ou bien c'est un peu excessif? De par mon CV, moi qui ai de connaissances en cette matière, actuellement il nous est interdit d'accord de parler. C'est ce que Mouyaya a dit, non?
Il y a un communiqué comme ça. Ouais. On interdit de faire des commentaires sur ça. Donc, je ne peux pas faire des commentaires sur ça. Mais je précise un élément. Allons-y. Les militaires, les policiers, les hommes politiques, les ceci, confessent auprès du cardinal. C'est un père spirituel. Oh. C'est-à-dire, il a les informations de tout le monde, des épouses des militaires, des enfants des militaires, des militaires, des autorités civiles, tous sont ces bandits. Vous insinuez en disant ça? C'est-à-dire, il a plus d'informations que nous autres, que tout le monde, que la plupart des gens. Donc, quand le cardinal parle, d'abord, il faut du respect. D'abord, il faut beaucoup de respect. On pourrait prendre un cardinal de Brazzaville, lui donner l'entité Congo. Ouais. Tu sais ça? Exactement. Ah, donc, lorsque nous avons déjà un cardinal, et puis jeune comme un bongo, il faut respecter. Ah, d'accord. Il faut respecter. Deuxièmement, ça a toujours été comme ça. Comment? Un bongo est moins violent. Un bongo est moins violent. Moins violent. Kemalou là, Kemosengo. Ah, heureusement, tu commences à citer des noms. D'ailleurs, tu sais que le cardinal Mosengo est le père spirituel de Maman Olive. Ouais. On voyait des images, mais il a été critique à l'égard. Non, c'est son père spirituel. Mais jamais il n'a aménagé. Exactement. Quand il y avait à dénoncer, il dénonce. Les règnes des Kabila. Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? L'évangélisation veut dire dénoncer les péchés. C'est-à-dire les dirigeants devraient être attentifs chaque fois que le cardinal parle. Mais tu verras quelques impolis venir répondre au cardinal. Non. Quelques impolis. Répondre au cardinal. C'est un cardinal. Et qui est impoli? Tous ceux qui passent à la télé critiquer les propos du cardinal. On ne devrait pas faire des commentaires. On devrait suivre ses conseils et améliorer. Surtout que le régime actuel n'est là que grâce à l'Église catholique. Alors, je te fais quelques réflexions. Ouais, allons-y. Lorsque les démocrates américains décide de créer un mouvement politique au Congo pour faire pression au régime de Kigali, il crée l'IDPS. Alors, l'IDPS, c'est une invention. Pas de Tshisekedi. De Monseigneur. Lorsque les démocrates décident. Les démocrates américains. Américains décident de faire pression. Pression au régime du Rwanda. Du Rwanda. À partir du Congo. Pas des Mobutu. Non, Mobutu avec Habyarimana était de, ensemble, ouais. Était des amis. Ouais. Mais Habyarimana était un pouvoir plus dur, plus que le régime de Mobutu. Ouais. Alors, pour faire pression au régime d'Habyarimana, on crée un mouvement politique au Congo. Ouais. C'est créé par les démocrates. Et c'est l'ancien recteur de l'UNIKIN, Monseigneur Tshibangu, je crois c'est comme ça qu'il s'appelait. Et le petit frère, le Monseigneur, petit frère Étienne Tshisekedi, qui était à la maison civile. C'est eux le parrain intellectuel de l'IDPS. Parce que cet argument-là des massacres de Bakwanga, c'est faux. C'est en 1978 qu'il y a eu le premier massacre de Bakwanga. Ça, 22 morts. On n'a pas créé l'IDPS. Mais en 82, lorsqu'on. J'étais vraiment des creuseurs, comme est-ce que les artisans. Les artisans. Artisanaux. Les creuseurs artisanaux. Et en 1982, on tue 22. C'est à ce moment-là que le coup de gueule arrive et on crée l'IDPS. Ce n'était pas une invention congolaise. L'IDPS, ce n'est pas une invention congolaise. L'IDPS n'est pas une invention congolaise. Non. C'est pour les démocrates américains qui ont conçu ça et qui ont financé. Alors, c'est comme la CIA. C'est comme la CIA qui a fabriqué Mobutu. C'est comme la CIA qui a financé pour continuer Lumumba. Non, il n'y a pas de secret. Tout est écrit. Alors, je vous ai suivi. Vous étiez un... Bon, je ne sais pas. Vous aviez donné quelques révélations sur l'actuelle première ministre, madame le premier ministre, Judith. Alors, pourquoi ne pas la laisser d'abord travailler au lieu de commencer à essayer un peu de la coincer? Qu'est-ce qui se cacherait dans les placards de cette dame? Non, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas Madame Judith. Je ne connais pas. Mais vous aviez parlé dans un média de non. Son mari. Même. Non, attention. L'idée principale de mon propos, c'était de demander à la justice
à vous tous, vous les grammiques là, vous qui avez fait des critiques info comme les Bossembe, comme les Diakese, les Miko, Maengele, tous ceux qui connaissent le droit. Je leur ai dit, il est temps de déposer une plainte contre Samalou Kondé. Parce que nous avons un cas de jurisprudence. Un ancien premier ministre qui n'a pas signé des documents, qui n'a pas traité les documents, est poursuivi dans les dossiers Bukangalonzo. Il y avait un ministre de l'agriculture, Bukangalonzo avait des PDG. Donc. Oui. Mais Matata manque de sommeil à cause d'un seul dossier, Bukangalonzo. Il y avait un débat. Est-ce qu'on pouvait le poursuivre, oui ou non? Bon, les Luzolo nous ont démontré que oui, on peut poursuivre un ancien premier ministre. Quelle juridiction? Cassation, constitutionnel, conseil d'État. C'est ça les débats. Mais... Non, les débats sont élevés. Kamouleta a dit, la cour constitutionnelle peut les entendre. Et c'est comme ça que ma tata répondra le 18 avril. J'ai dit, mais voilà, ça m'en est plus. Alors, il s'est posé la question d'immunité. Bahati Luko, le président du Sénat, a levé les immunités de ma tata. Ouais. Je pense que on aura aussi le courage de lever les immunités de Sama et qu'il aille répondre devant la justice. Dans quel dossier? À Ram. Le dossier Ram, Sam doit aller répondre. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. J'ai dit deuxième dossier, 145 territoires. Troisième dossier, la guerre du M23. Cinquième dossier, les élections. Il y a plusieurs dossiers que Sam doit nous dire, nous les Congolais, comment est-ce qu'il a géré ça. Mais là, ceux qui savent rédiger les plaintes, voilà les matières. Ah, d'accord. C'était ça mon raisonnement. Ah, d'accord. Et puis j'ai dit, bon, il y a une collision. Notre premier ministre actuellement était au plan. Exactement. Et j'espère qu'elle va insérer la justice dans les 145 territoires. Maintenant, il doit améliorer les... Et pourquoi impliquer ça? Et dans mon territoire, chez moi, je ne trouve pas ça. Sa vie privée, dire que son épouse, son mari, c'est lui qui gérait les 145 territoires. Non, les informations à ma possession. Ouais. Madame et le PNUD, il y a des liens. 145 n'est pas géré par Bézéko. Non, c'est PNUD, le PNUD. Quand Macron est arrivé à Kinshasa, le chef de l'État a dit quoi dans sa conférence de presse? C'est cette guerre ici qui nous retarde. On avait un bon programme de 145 territoires, n'est-ce pas? Ouais. Pendant la campagne, le chef de l'État a réitéré la mise en application du programme 145. La dernière sortie médiatique. Le briefing. Le briefing avec le chef de l'État. Le briefing spécial. Il a dit, mais moi, cette histoire-là, je n'en ai pour rien. J'en ai pour rien. Parce que c'est PNUD. J'ai tout remis à PNUD. Est-ce qu'on doit revenir dans un débat pour dire est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est pas arrivé, est-ce que vous avez financé 30%? Parce que maintenant j'apprends des chiffres commencent à tomber. Le gouvernement n'a eu que 30%, le gouvernement n'a eu que 165 millions, le gouvernement 665. Non, c'est plus d'un milliard. Toi et moi, on connaît des chiffres, ouais. Non? 1,6 milliard. 600 millions. Il y a un 5 derrière. Ouais. Il y a un chiffre 5 derrière. Exactement. Ça nage là-bas. Même c'est plus d'un milliard. Alors, est-ce que Sama doit continuer à circuler au moment où un ancien premier ministre manque le sommeil? Il est de l'Union Sacrée. Ma tata a dit que c'est parce qu'il avait refusé d'intégrer l'Union Sacrée qu'il serait poursuivi, ainsi de suite. Article 149 de notre constitution consacre l'indépendance au juge. C'est le juge qui doit venir nous dire je ne sais pas condamner Samalou Kondé parce qu'il est de l'Union Sacrée. C'est pas toi, c'est pas à la rue, c'est Kamouleta qui va nous dire moi je ne sais pas. Tu sais qu'on a, cette cour que nous a fait des blagues, non? Oui. Notre justice, c'est quoi? Cassation. Oui. On a envoyé le dossier Godet, c'était répondu en 3 jours. Oui. Mais Moukeba, ça fait une année. Jusqu'à présent. Oui. Bon, on va voir. Mais comment les plaintes? Diakès avait déjà déposé contre Ram, non? Oui. Lui, il avait fait pour Fati. Hervé Diakès. Il avait déjà fait pour Fati, non? Oui, oui. Mais la constitution dit, article 79, et oui. Tu montes, le chef de l'État n'est pas responsable. C'est le premier ministre
qui est responsable des actions gouvernementales. Donc je demande un procès contre Samalou Kondé. Alors, je ne sais pas, on va finir par ces dossiers. C'est vrai qu'on nous a interdit d'essayer un peu d'épiloguer là-dessus, de ne parler que sur base d'informations officielles. Mais vous, étant qu'un leader d'opinion, je vous ai suivi dans une émission où vous étiez farouchement contre Corneille Nanga. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces jeunes, selon plusieurs désinformations? Moi, je vous ai suivi même en disant que la plupart des Congolais de l'Est sont pro-rwandais. Je ne sais pas si vous réitérez ces propos ou non. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces jeunes qui pourraient être tentés dans une aventure comme celle de Corneille Nanga? Moi, je suis contre ce discours-là de fustiger les Congolais. Considérer que pro-rwandais, moi j'ai dit que les jeunes... Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je condamne. Ah, d'accord. Je condamne cette façon de traiter les autres comme ça. Je peux faire toute une émission sur la République démocratique du Congo et ses habitants. Tu comprends ça? Yeah. Personne n'a le droit de pointer le doigt de l'autre dans les yeux de l'autre comme ça et lui dire que toi tu n'es pas congolais, toi tu es congolais, toi tu es... Donc vous tolérez le pro-Burundi, vous tolérez le pro-Uganda, mais pas le pro-Rwanda. Ça c'est à l'Est, non? Vous fustigez ceux qui sont à l'Est. Tu sais que le fleuve Congo est vaste seulement pour le Malébo ici. Ailleurs ça se traverse en moins de 12 minutes, 4 minutes, tu as déjà traversé le fleuve. Et si nous parlons du sud, notre sud, quelle est la frontière naturelle qu'il y a entre l'Angola, la Zambie et nous? Est-ce qu'il y a une frontière naturelle? Donc seuls les singes, les insectes, les chiens peuvent traverser et non les Congolais. J'ai posé la question à un agent de l'ANR qui a travaillé à Kaimba. Comment était représentée la frontière? Il m'a dit qu'il n'y a pas de limite entre le bureau de DGM Kaimba et le bureau de DGM Angola. Je termine. Tu as déjà été à Matadi, non? Oui. Tu peux demander les images de la frontière entre Matadi et l'Angola. C'est là où se trouve. Lédia, tu montes vers Mamayemo, tu restes les ports. Avance, tu n'as pas quatre. C'est... Tu verras notre frontière avec l'Angola. Est-ce qu'il y a un mur là-bas? Donc vous là, vous pouvez vous tolérer d'être des familiers des Angolais, des Brazzaville. Madilou a même chanté Kinshasa Brazzambo Kamoko. Exactement. Pourquoi vous ne supportez pas? Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ce jeune-là qui pourrait être tenté, comme on a vu, des jeunes, surtout du pro-Kabila? Il y a une chanson. Barnabé, qui il s'appelle comment? Henri Magie. Ils sont déjà partis. Ouais. Pourquoi vous parlez d'eux? Et c'est pourquoi, c'est juste vous étant qu'un leader d'opinion. Fally. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce jeune? Non, Fally a dit, Fally, il ne peut pas. Je le salue là où il est. A dit, Motonzala, Asalam. Tu peux t'imaginer femme et enfant, ton frère, dans un camp de réfugiés? Ils demandent quoi? De retourner seulement dans leur champ. C'est pourquoi moi, je suis en train de faire une plaidoirie pour le dialogue. Oh. Il faut arrêter de se battre. Mettons-nous autour d'une table et posons la question à Nanga, quel est ton problème? Vous conseillez à ce régime de dialoguer avec... Non. Il faut toujours dialoguer. Il ne faut pas être idiot comme le président de la Russie, enfin de l'Ukraine. On a tout détruit, maintenant il veut dialoguer. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas donner aux rebelles cette impression d'être fort. Dès que ça commence, mettez-vous autour d'une table et dialoguez. Les M23 est une affaire congolo-congolaise ou non? Non, lorsque ça commence à la frontière, on ne fait pas la guerre sans arrière-base. Je me fais comprendre. C'est une affaire de Congolais ou non? Non, on ne fait pas la guerre sans arrière-base. Les revendications peuvent être internes, mais il y a toujours des revendications externes. À l'Ukraine, il y a un problème en Donbass. Les russophones, ceux qui parlent les Russes, étaient marginalisés par les nazis. Donc d'autres Ukrainiens les considéraient eux... On finit par là. On les considérait eux comme des Russes. On les bombardait chaque jour. Les Russes sont venus... Et porter secours. Si vous continuez à fustiger nous, les gens de l'Est, que nous sommes des Rwandais, nous sommes des Rwandais, nous sommes des Rwandais, vous empêcherez les Rwandais de venir nous soutenir. Pourquoi? Donc il faut faire attention. Discutons des questions internes et discutons des questions externes. Je crois qu'il y aura la paix pour tout le monde. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Mais une toute petite question pour finir. Avec toi, ça finit, j'aime. Non, on finit avec ça.
parce qu'il y a tout un débat sur les Tutsis congolais. Oui, tant qu'un leader également de l'Est, il y a des Tutsis congolais ou non? Vous êtes des mèches avec le président quand il dit que ce sont nos frères? Ils sont les premières traces, les signaux au 14e siècle. Premières traces, les signaux ici au 14e siècle. La constitution dit est congolais tout celui dont un seulement, ou qui s'est trouvé, ou qui était dans les battants pavillons. Les sols congolais en 1960. C'est ce que dit l'article 10 de la Constitution. Moi, je suis un homme politique intellectuel. Je ne peux pas discuter des choses qui ne sont pas écrites dans ce Constitution. Ils sont des Congolais ou non? Si toi, tu as un autre argument, que celui qui est né, tu sais ce qu'ils sont venus en 94, dans le ventre de leur maman. Oui. Tous ces Interahamwes, tous ces réfugiés rwandais qui sont venus au Congo en 94. Sont-ils congolais 30 ans après, oui ou non? Merci beaucoup, Barnabé Milinganyo. Appelé affectueusement, c'est vrai qu'on a, on n'a pas voulu parler de ça au Rolé Mbouma. Ça reste historique, ça reste légendaire même. Merci beaucoup d'être venu, d'être passé. C'était un bonheur pour moi de vous revoir après plus de 3 ans. Je pense que la population a retenu l'essentiel, comme toujours. Vos analyses sont tellement appréciées au niveau de l'opinion, les secrets, je ne sais pas. Vous lisez beaucoup. J'ai constaté, en parlant de ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, avec le Donbass, ainsi de suite, je pense que nous pourrions vous avoir prochainement, bien que c'est tellement très difficile actuellement de vous recevoir comme avant, où vous étiez pratiquement quotidiennement dans les médias. Ouais, la différence, c'est qu'on pose les mêmes questions. Ah, partout où tu pars, on commence à se répéter, c'est pas bon. Il faut laisser le temps. Le jour où tu auras un sujet spécifique, la sociologie, l'anthropologie, la démographie, on peut venir en parler, que venir commenter l'actualité tous les jours, et pourtant il n'y a rien comme actualité dans ce pays. Merci beaucoup. Il n'y a rien comme actualité dans ce pays. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que tous les gens qui répondent au cardinal Mbongo sont des impolis. Mais je ne sais pas quels sont ces impolis là. Bon, c'est à vous la population de dénicher cela. Merci beaucoup et bienvenue. Merci également à toute l'équipe. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous très massivement. Je suis Clamy Clégan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Safa.